la tasi atasi na jio Sambewe masikini Eka wimi sandongo koso amba kweni Keto tongeza wasawakiri Dalili onesa titoba kiwe na ufikiri Songizo na mwi songizo na ushinzi Gecho zise Songzo nonziro dezenta mana Changake utangiwa Sichende sembio Souzo non ziro desenza mana tanga Tanga utakiwa Keji la mwiso Kawa andani kamamba kweli tanga Tanga utakiwa Le diabète peut être défini comme étant un trouble de la régulation du taux de sucre dans le corps, appelé glycémie. Et ceci aura comme conséquence principale l'installation d'un état d'hyperglycémie de façon permanente. Ce système de régulation est assuré par un petit organe appelé pancréas situé à côté de l'estomac dans le tube digestif grâce à sa sécrétion d'insuline. Les aliments que nous mangeons contiennent des glucides, des lipides et des protéines, qui sont les trois principales d'énergie du corps. Lorsqu'on mange, le sucre arrive en grande quantité, passant par le tube digestif, puis dans les vaisseaux, ce qui entraîne une élévation de la glycémie, du taux de sucre. En ce moment, il intervient le système de régulation du sucre dans l'organisme assuré par le pancréas et l'insuline qu'il sécrète. Le pancréas va détecter l'arrivée du sucre dans le sang, puis va informer le foie et les muscles pour récupérer et stocker le sucre qui est en excès dans l'organisme. Et donc, il va permettre un équilibre de la glycémie. En cas de diabète, ce système de régulation est défaillant, ce qui suit une hyperglycémie. Se pose par le dosage de la glycémie, le taux du sucre dans le sang. Il existe deux types de tests. On a la glycémie à jeun, une glycémie faite sur un prélèvement sanguin, faite après 8 heures, voire 10 heures de jeûne. Si ce taux de glycémie est supérieur ou égal à 1,26 g par litre à deux reprises, on pose le diagnostic de diabète. Le deuxième test s'agit de la glycémie au hasard, une glycémie faite à n'importe quel moment de la journée. Si ce test est supérieur à 2 g par litre, on peut poser le diagnostic de diabète. Oui, bien sûr, on distingue plusieurs types de diabète, mais deux sont les plus fréquents. On a le diabète de type 1, avant appelé diabète insulino-dépendant, et le diabète de type 2, qu'on nommait avant diabète non-insulino-dépendant. Là, on distingue aussi le diabète gestationnel, qui survient chez les femmes pendant la grossesse, et d'autres types de diabète qui peuvent être secondaires à un traitement à long terme, surtout un traitement avec les corticoïdes, et d'autres diabètes peuvent être secondaires à une maladie. Le diabète de type 1 est généralement découvert chez les enfants, les adolescents, les jeunes. Habituellement, il survient avant l'âge de 30 ans.
Il se manifeste habituellement par le syndrome cardinal, caractérisé par une soif intense, la polydipsie, urine abondante, polyurie, un amaigrissement rapide et la polyphagie. Les causes exactes du diabète type 1 sont mal connues. Ce qui se passe dans l'organisme, c'est que ce dernier ne reconnaît plus les cellules pancréatiques responsables de la régulation du sucre dans le sang. Ce qui se résulte par une hyperglycémie permanente. De ce fait, le corps ne fabriquant plus d'insuline, donc le seul et unique traitement du diabète de type 1 est l'injection d'insuline à vie. Quant au diabète de type 2, lui, il apparaît généralement chez les personnes âgées de plus de 40 ans. Il peut rester pendant longtemps méconnu si sa découverte peut être fortuite lors d'un bilan de routine. Il existe plusieurs facteurs de risque, tels que le surpoids, l'obésité, la sédentarité, une alimentation déséquilibrée, mais surtout la présence d'antécédents familiaux de diabète. Dans ce type de diabète, il existe deux mécanismes. Soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline, mais pas assez pour équilibrer la glycémie, sur le mécanisme d'insulinopénie, ou soit l'insuline est sécrétée, mais il agit mal. C'est l'insulinorésistance. En premier choix, pour traiter le diabète de type 2, il faut une modification du mode de vie. Appelons mesures hygiéno-diététiques, savoir faire de l'activité physique et avoir une alimentation équilibrée. Si les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas pour équilibrer le diabète, on peut ajouter des antidiabétiques oraux. Ce sont des comprimés contre le diabète. Dans certains cas, on peut même associer aux mesures hygiéno-diététiques à l'insuline injectable. Mais l'efficacité de l'insuline et des antidiabétiques oraux chez les diabétiques de type 2 est optimale que s'ils sont associés aux mesures hygiéno-diététiques. L'objectif des traitements dans les deux formes de diabète, que ce soit le diabète de type 1 ou le diabète de type 2, est de normaliser la glycémie. Car des hyperglycémies prolongées, répétées, peuvent entraîner à long terme une perturbation au niveau vasculaire, au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau nerveux, au niveau des nerfs et au niveau du cerveau, au niveau des reins, mais aussi au niveau des yeux. Ces différentes perturbations peuvent être à l'origine d'une cécité, une perte de la vue, une atteinte au niveau des pieds qui est responsable à long terme des amputations des membres chez les diabétiques, des complications au niveau cardiaque, des infarctus, mais aussi des accidents vasculaires cérébraux, communément appelés AVC, des troubles de l'érection chez l'homme, mais aussi des atteintes rénales,
pouvant évoluer jusqu'à un stade d'insuffisance rénale. Nous sommes arrivés à terme de cet épisode. Merci de nous suivre. Nous vous reviendrons prochainement pour détailler en long et en large sur les mesures hygiénodiététiques et les différents traitements du diabète. En conclusion, notez que certes le diabète ne se guérit pas, mais c'est une maladie qui se soigne très bien. Il est capital donc d'avoir une surveillance régulière, garder une activité physique régulière, manger sainement et suivre son traitement. Car un diabétique est donc un malade en bonne santé. Kawandani, kamanda kweli, kamanda kweli.